مرحبا بكم على شين يوتيوب الفيا اكاديمي دونك الفيا اكاديمي قناه تعليميه خاصه بجميع المستويات من السابعه اساسي للبكالوريا في مختلف الشعب دونك ما تنساوش باش الموقع متاعنا كحيت لكم اليوم من فوق www.lvia-6academy.com غادي ملخصات الدروس تلقاو دي سيري بالكوريكسيون بيان او تلقاو زيدا دي زيكزامبل دو دو كونترول دو دو وباش زيدا تشوفوا خاصين 9 تمشيو تلقاو 9 تدخلوا على الفيديو اللي حاجتكم بيه وما تنسوش باش تشتركوا في القناة تنزلوا على زر سابوني وتخليونا ان بتي كان فهمتو بالكدي الدرس الكومنتر نتاعكم يشجعنا برشا ويخلينا نقدمه داكور أصدقائي نبدأو دونك المره اللي فاتت شفنا لا بروميير بارتي وقلت لكم تستنوني في الفيديو القادم باش نكمل لكم لا دوزيام بارتي اللي فيها دوغري دو بازيسيتي دون بازيك Ou fait, fait la solution neutre, neutre ou bien un petit exercice. C'est pour 9e année pilote. Donc, degré de basicité d'une solution à cause basique, que désigne-t-on par l'écriture hydroxyde de sodium, tesawa, chine, belimier

et du les rétention de la بعد ما نغسل بالماء والصابون هذه ما كل استفسارات من حياتنا اليوميه جينا يعني المخنه لكن ما نعرفوش عليه اليوم باش مع بعضنا دونك كما عودتكم ولا دونك ناخذ المهم تاعي اللي هو دي بشير اجيتاتور ومغرفه صغيره شنو باش نعمل بها تبعوا معايا وخذيت ان ساشي دو لوفور اي دو لؤ باش نطيب خبز لا 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 باش نعمل اكسبيريونس تاع باش نفهم درسي نبداو مع بعضنا دونك جبت باكو الخميره نتاع لوفور بلون بلونجير نتاع الخبز داكوغ وجبت مغرفه خذيت مغرفه نتاع Levure, je ne pas faire Donc, je verse une cuillère de levure dans un bécher contenant un volume d'eau, un bécher, un volume d'eau. Après agitation du mélange, j'obtiens une solution de levure qui me chauffe, solution visqueuse et de saveur amère. Après dilution de la solution, de levure, ta solution, de ta levure, taille, elle devient de moins en moins amère et son aspect visqueux disparaît pratiquement. Comme dans le cas de l'acide chlorhydrique. Vous l'acide chlorhydrique que nous avons vu partie précédente en solution concentrée, une solution à cause du soude. le soude doit être manié avec beaucoup de de, de précautions. Donc, solution de soude. Les hommes doivent la manipuler avec précaution et en écoutant les mesures de sécurité très strictes. Allez, je décolle. Alors, ça peut être un danger. très Et donc, allez, je connais les acides. Et corrosif. D'accord. Et donc, nous manétons corrosif. هايكا ولا هنا كوم لانديك سان بيكتوغرام دونك نحب نعرفكم على حاجة جديدة هذيما دونك اللي محطوطين تصويرة هذية هذية اسمه بيكتوغرام فيه المخاطر متاع لي برودوي شيميك وكل وحدة والسمبول متاعها وكل برودوي شيميك مخطر نلقاو وحدة فيهم دونك كنت دور دبوس الفيتوكس متاعك تتلقى الشيما هذا كان دور دا بوست متاعك تطلق الشي ما هذا انفلامابل معناها راهي قابلة للاشتعال داكوغ وفما دونك هذية سامبول كوريسيف هذيا راهي كي تتصب على يدينا اللطف يا ربي تسبب لنا اه اه تاكل واحتراق في اليدين متاعنا دونك كيفاش نستعمل فيها السود نستعمل فيها دوليي معناها زايدينها Elle met donc la solution aqueuse. Nous avons, comme dit, je Nous avons, solution aqueuse. Donc, le solvant fait, elle met très bien. Donc, la solution aqueuse de soude devient moins dangereux. Donc, cool, dangereuse, donc plus dangereuse. Quelle met une Elle devient moins dangereuse. N'est-ce pas? On sait que le saveur, la saveur amère et l'aspect visqueux de la solution mta lkhmira, ainsi que la, la consistance d'une solution de soude renseigne sur leur basicité. Donc, la solution mta la soude ou solution mta la lkhmira, raḥom el solution mta soude ou le savour amer ou l'aspect visqueux, comme à dire celui de la levure, ils vont des informations sur leur basicité. Donc, le caractère basique, on parle de c'est le caractère basique. Je vous définition d'une solution basique. C'est une solution éonique à 25 degrés C. Et c'est ce a dit, on Le pH est plus grand que 7. Très bien, vous bien voyez C'est ça, c'est ça donc par conséquent toute dilution de la solution de levure et de la solution de soude entraîne une diminution de leur basicité. dilution une solution basique le degré de basicité mteha Il n'y a pas de basicité absolue. Toute solution basique est caractérisée par un degré de basicité. Quelle solution basique est caractérisée par un degré de basicité Un degré de basicité bien déterminé. Qui augmente avec sa concentration et inversement Yikbir, ma concentration ou Yazrare, ma sororité concentration. Donc, quand il y a une concentration, quand il y a un degré de basicité, concentration, degré de basicité, Donc, plus son degré de basicité est élevé, plus la solution basique est amère pour un produit alimentaire et caustique pour le produit chimique. Donc, plus la basicité est élevée, la solution basique est concentrée. Donc, amère, a le caractère amère pour un produit alimentaire ou caustique pour les produits chimiques qui les chauds. داكوغ اكسبيريونس هكا باش نحرمكم من اكسبيريونس بالطبيعة لازمنا الاكسبيريونس على شنو باش تقول لي كيما المره اللي فاتت باش تقول لي البي اش شنو يعمل مع الدوغري دو بازيزيتي ومع الكونسنتراسيون يلا نبداو الاكسبيريونس نتاعنا اول حاجه عملتها اني خديت باشير حطيت فيه اون كونتيتي دو دجافيل. L'eau de Javel est une solution basique. D'accord Suffisante à l'immersion de la partie sensible de la sonde. Et la quantité que j'ai titae, c'est cafiya en n'enqou akel partie sensible nta' sonde nta' le pH mètre, bach nqissou chkoun, bach nqissou le pH très bien. Donc, puis je mesure le pH de liquide. Comme d'habitude, les كلمات مهمة s'atterthem lik. Je dilue progressivement l'eau de Javel. نعملو في دي معناه نزيد فيه في, في الماء هكا وله اوناجوتون ا شاك فوا 10 مليلتر دو دو روبيني اي جو ميزور لو بي اش كل مره نزيد 10 مليلتر نتاع ماء ونقيس البي اش نزيد 10 مليلتر لا كلور جافيل نتاعي اللي خديت على لوسيون كونسونطري من الاول ونقيس نزيد ونقيس شنو قاعد يصير للبي اش قبل ما يصير للبي اش تعرف جافيل كي يبدا في كي نشريوه هكا شتي يبدا كونسونطري وكي نشريوه صبة ما نعرفش انتو ما تعرفوا الصبا ولا وجافيل صبا شنو عاملين له زيدين الماء علاش جافيل كاشتي يقولك اقوى لا جافيل هذاك اقوى على خاطرو بلو كونسنتري داكور هما كي يبيعوه بيعوه صبا شنو يعملوا يزيدوها الماء هذاك علاش يولي يخف داكور الكونسونطراسيون نتاعو تطيح باهي on revient à l'expérience n'tana quand on est en dans la concentration de l'eau de Javel et quand on ajoute du feu de mai le pH qu'est-ce qui la valeur de pH démenu la valeur de pH démenu avec la dilution le pH zghor avec la dilution le pH zghor avec la dilution pour solution chkoun hadi solution basique très bien ما ندخلوش بعضنا سوليسيون بازيك بي اش نتاعها يتيح مع ديلوسيون نتعداو للاكسبيريونس الثانيه توا باش نعمل العكس باش ناخو مي ونقعد نزيدو في الكونتيتي دو جافيل معناه قاعده شنو نعمل قاعده نطلع في الكونسونطراسيون قاعده خليت شويه مي وقاعد نزيدو في جافيل نزيدو في جافيل نزيدو في جافيل للي الكونسونطراسيون ماشيه وتطلع وقاعده بيان سور اشاك فوا نقيس البي اش Donc, j'ajoute progressivement d'importantes import, quantités d'eau de javel. Allez, le une quantité d'eau. Ou, à chaque fois, je mesure le pH de la solution. la la valeur de pH augmente lorsque la solution devient de plus en plus concentrée. Donc, le concentration t t la concentration est le pH est la concentration diminue, la dilution, la concentration, le pH diminue, le pH diminue, la dilution, la concentration, le pH augmente, on concentration la solution devient de plus en plus concentrée. L'expérience amlo très bien, le pH est une grandeur permettant de reconnaître en plus le pH est une grandeur qu'on a vu dans le de la de la vidéo qui est le degré d'acidité et on le degré de, de basicité d'une solution aqueuse ionique donc le pH est un degré d'acidité pour une solution acide et on le degré de basicité pour une solution basique D'accord? Plus le degré de basicité d'une solution aqueuse ionique est élevé, plus le degré de basicité de ta solution aqueuse ionique est élevé, plus le pH de ta solution est élevé. Il y a le degré de basicité, il y a le pH et inversement, qu'est-ce que ça inversement? Bravo, plus le degré de basicité y plus le pH y plus le pH d'une solution à cause basique est grand, quand le pH de ta solution à cause basique est grand, quand le degré de basicité de cette solution est élevé. Quand le pH sort, quand le degré de basicité de de pour une solution à cause basique. Vous voyez, c'est comme basique. D'accord On ne peut pas dire que L'acide ou bien le base. Donc, plus le pH d'une solution à cause basique est grande, plus le degré de basicité de cette solution est élevé et inversement. Ou l'axe ou l'axe. Quand le pH de ta solution à cause basique est petit, quand le degré de basicité de cette solution est diminué, donc, yonks. Voilà. Je ce que nous avons vu dans notre cours de Nous avons vu que les solutions à cause basique, ce sont des solutions ioniques. Le pH est plus de 7 à 25 degrés C, comme nous l'avons vu. Nous avons vu que le degré de basicité d'une solution à cause basique est en fonction de sa concentration, donc le degré de basicité en fonction de la concentration, il sort, il avec la détermination de la valeur de son pH, nous avons le degré de basicité d'une solution aqueuse. Nous le pH, nous le degré de basicité. L'augmentation de la valeur de pH, ce qui signifie une élévation de degré de basicité. Donc, l'augmentation de la valeur de pH, une élévation du degré de basicité d'une solution aqueuse basique et inversement, ou l'axe ou l'axe.

لاحظت ال بي اش يساوي سبعة عادي لوجيستي ال بي اش نتاعو سبعة هذه حاجه نعرفوها باهي جو غفي لا ميم اكسبيريونس مي ريسبكتيفمون افيك لا سوليوشن دو كلوريد دو صوديوم و مع افيك لا سوليوشن دو كلوريد دو بوتاسيوم فراغ البيش نغسل نغسل الصوند نتاعي كيما تاع تعلمنا كيفاش نستعملو البي اش متر ونقيس البي اش تاع الكلوريد دو صوديوم البي اش نتاع الكلوريد دو بوتاسيوم شنو قاعده نلقى Dans les deux cas le pH mètre affiche pratiquement la valeur de 7. Fi koul ka qadna la valeur de 7. Or on a نعرف le pH de l'eau distillée est égal 7. le pH taal chlorure de sodium est égal 7 et le chlorure de potassium est 7? Donc malgré le fait que les solutions à cause de chlorure de sodium et de chlorure de potassium sont ioniques, fermes des ions, la valeur commune de leur pH est est égale à la valeur de 7. Le pH de l'eau pure est égal à la valeur de, 7. PH, hum 7. 7, de pH de l'eau pure. À quoi elle est? Donc, je ne comprends jamais nos élèves. Signifie que ces solutions l'air acide ou l'air basique. Donc, le chlorure de, de sodium et le chlorure de potassium. L'arme des solutions acides ou l'arme des solutions basiques. Donc, combien je compte? Combien il L1 plutôt un caractère intermédiaire qualifié de caractère neutre un caractère un caractère neutre donc ce sont des solutions à cause neutre et de solution à cause neutre donc solution à cause des solutions à, dont valeur de ph est égale à 7. Par conséquent, l'eau pure est un liquide neutre. Notre pH est donc est un liquide neutre. Colhage le pH est une solution neutre. Il y a des solutions aqueuses caractérisées à une température donnée par un pH égal à celui de l'eau pure. Raresment, c'est des solutions neutres. Donc, des solutions neutres mais des solutions aqueuses indom caractérisé à une température donnée par un pH, vous savez oui le pH de l'eau pure le est 7. définition de solution neutre. Donc, ce qui m'a fait tomber, nous une définition de une solution à cause neutre est toute solution ionique dont la valeur de pH est égale à celle de pH de l'eau pure, prise à la même température. Dites-moi que c'est la température, s'il vous plaît. D'accord Maintenant, c'est la température de plus important. Toute solution ionique de pH ou de c à 25C sera une solution neutre ou l'eau pure sera au milieu neutre. Autre exemple de solution neutre, solution de sel de cuisine et solution de chlorure de potassium ou solution de nitrate de potassium. Avec un petit exercice qui m'a comme. Donc, d'après euh, l'exercice, d'après les valeurs de leur pH à 25 degrés C, je classifie les solutions aqueuses concernées dans le tableau suivant en solutions acides, basiques et neutres. a des solutions aqueuses ou a le pH ou N à partir de la valeur de pH a acide, solution, solution acide solutions acides ou la solution basique ou la solution neutre <coughs> نذكركم البي pH من صفر ل 14 هكا ولا كانوا يساوي سبعة شفناه قبل اللي هو هي او لكن وشفنا اليوم اللي هي نسميوها سوليسيون نوتر دونك كان pH اش سبعة سوليسيون نوتر كان بي اصغر من سبعة رانا اسيد كان pH اكبر من سبعة رانا بازيك ا ان بي هكا ا نقصد بها اسيد ان نقصد بها نوتخ و ب نقصد بها بازيك لهنا نمر سبعة ولهنا يبدا من اقل من سبعة يوصل لهنا سبعة ومن بعد هنا اكبر من سبعة راو بازيك يوصل لهنا سبعة نوتر اقل من سبعة راو اسيد نبداو مع بعض السوليسيون الاولانيه البي هاش نتاعها يساوي 11 برافو بازيك سوليسيون ثانيه نتاعها le vinaigre le chal, une solution acide pH solution pH donc c'est une solution acide bravo très bien solution de potasse donc pH solution basique solution de sel de cuisine autre exemple solution de sel de cuisine qui une solution notre très bien donc page ntaha galasit donc c'est une solution notre. ان شاء الله يكون واضح الكور نتاعنا وان شاء الله تكونوا فهمتوا بالك ما تنساوش بتخليوا لي كومونتير وتعطيوني اقتراحاتكم للفيديوهات الجايه وما تنساوش باش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس سابوني داكوغ الى اللقاء